M'ap souhaite encore bienvenue sur le canal ça TV Lakay haïti.com pour nous porter deuxième vidéo ça pour et d'en profiter remercier tout le monde et qui donc garde vidéo nous quel que soit côté ou dans le monde ça et bien nous remercions pour support et c'est grâce avec ou même qui fait nous encore exister et n'a travail d'arrache-pied chaque jour. Bon Dieu mettez pour nous informer sur ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Dossier bataille qui gagne dans Cité Soleil qui déjà fait un pile mort et gagne un pile monde cap court qui était la caillou et bien qui victime en bas coup de balle bandit qui donc Cité Soleil dans moment n'a pas lié là donc si vous pas gagne bonnet ou pas passer dans zone ça parce que et c'est seulement cadavre qui au même atea moun senti et cadavre senti c'est un coup d'adou c'est non laboratoire ou entrer en dans Cité Soleil nous pas inviter au gain détail. Dossier ZAM, eh bien l'église catholique impliquée là-dedans, eh bien, je dis à la, il commissaire Lafontaine qui lui-même prend une grosse décision pour marier Koukrab, tout le monde qui est complice dans le dossier ZAM, ça qui entre sous franchise l'église catholique, et je dis à Monseigneur Beauvoir qui lui-même parlait et commissaire gouvernement tout, parler en tout cas, bagaille vraiment et drôle pour l'église catholique parce que si l'église est impliquée dans le dossier ZAM, mesdames et messieurs, l'église catholique encore qui donc bagaille la grave pour Haïti. En tout cas, et complot ça vraiment de haut niveau pour finir avec un pays d'Haïti. Nous allons inviter tout détail en dans vidéo ça. Bonne écoute tout le monde. Restez connectés. Nous allons inviter connaître ça qui a passé en densité soleil qui l'est et bien et bataille ça lui-même l'a fini. En tout cas, bagaille grave pour monde Cité Soleil. Bonne écoute, n'a tourné. En pile allez, c'est parti pour les informations. Bagaille la raide dans Cité Soleil. Bataille a commencé, ça fait 8 jours. Aujourd'hui, c'est le 8e jour de yon bataille qui commençait entre des gangs armés, entre des gangs rivaux, entre bandes de racailles. Eh bien, Fon dit que deux clans a affronté jour et nuit dans perspective pour yon capable chasser l'autre. Hier après-midi, un pile moun voyez message pour dire écoutez Ariel Prod, mettez droit nous en l'air parce que bagay la vraiment compliqué au niveau de Cité Soleil. J'aime toujours dire ça. C'est un pile groupe cap bataille. Matias, Boston, Tyson, Raquette, Tijinio, La Saline, Mika Nord, Waf Jérémy, Nagyo Potéboué, Barbecue, Delmasis, Andri Siska, Belekou, Nagyo Potéboué sous Gabriel dans Brooklyn. Gabriel lui-même tout qui est allié li. Même si c'est à distance, ben ils sont des alliés. L'on prend 400 Marozo, ou prend Negbeléa, ou prend Village de Dieu, entre autres. Eh bien, bataille là, t'es vraiment serré. Mais, m'a dit donc que, ouais, nèg sa yo k'ap bataille là, parce qu'avant, m'a non plus explication. Nèg sa yo, ouais, yo gen visage moun, mais yo gen ke bête. Et pas toute bête, non, yo pa gen ke chien. Yo ka gen ke caïman. Parce que, chaque temps, nèg yo toujours à bataille, mes amis. Moi, dis yo, écoutez, ce n'est pas normal. Nous pas qu'à bataille pour nous chasser propre tête, nous, propre pep, nous. Eh, gros moun ka parle avec hier, il dit que, grand pile côté dans le pays d'Haïti qui vend. Et qui vend avec blanc. Ça qu'a fait jodi à la, c'est une manière pour capable forcer tout moun yo quitter zone yo. Et puis, pour gros potentat ça yo, vin entrer, yo vin récupérer zone yo. Nous senti que les son bagay kon ça qu'a fait, oui, sous Cité Soleil. Même si les gars, mais yo bandi yo, nous tapons méchant pile. Barbecue, Iska, Matias, Tyson, Ti Junior, Mika Nord, Gabriel G. Peppe. L'histoire pas tape, j'aime pas donner nous, même. Mon Cité Soleil pas tape, j'aime pas donner nous, même. Comme si pour nous ta fin fond bagaille comme ça, pour nous ta qu'on est au vent nos côté, et puis c'est nous même qui a pété coup de balle, et puis pour capable récupérer zone ça. Tête chargée. Nèg yo pote bourré hier, encore. Ça qui fait nèg yo mal, c'est parce que il y a un pile soldat G9 qui tombe dans la bataille là. Ça toujours arrivé les gros équipes qui comprennent que li pral pote boué mal sur une petite équipe et puis en la grande équipe là qui est encore les 2-3 goals dans l'estomac li, sont en là le frustré. Et bien c'est ça qui passé nèg G9 yo. Nèg yo dit bon, comment faire? Nous encercle Gabriel et puis n'a bal mort, mais ça ba nous mort. Non, c'est nous mêmes seulement qui pour bailler Gabriel mort. Aïe, monsieur. Si nous regardons dans zone Ipawe là, n'a pas combien moun microbe yo mette dehors, bande de racaille yo mette dehors dans bataille ça. Ça veut dire, à cause de ZAM qui a tiré, à cause de guerre ça, moun yo pas arrêté la caillou. C'est dans poussière et até nan y pa oui. Gen moun se, m'pa konn ki kote aller non. En comme si barbecue, ou a parlé de révolution, Gabriel, ou a parlé de libération Peppe. Et puis c'est dans ça non la Peppe. Iska ou dans l'école, ou son qui savait, m'a pas la voix aujourd'hui. Nous connaissons nous pareil même. Nous connaissons. Mais monsieur, entre nous, c'est dans ça nous la peuple là. Ah monsieur, m'papa nous menti, n'a toujours pareil même. Yam font passer à pied, non bloc. Non bloc nous monsieur. N'est qui pareil même yo. M'm font passer dans bloc douya. Parce que me mettez mon arabe, mettez pied ma terre. Ah papa gen zone comme ici. Comme si prend depuis aviation, passer station go naïve, passer zone vareux, rive douya, prend devant à série rive douya. Pas gen route encore. Ah bah nous finir à zone yo messieurs. Qu'on y a le fait que gen kidnapping qu'a fait en Kafou douya. Bon, zone ça, li vinn tankou époque 2004 parce que nous songez sorti Kafou douya pour capable river aviation, moun pas fréquenter zone ça encore. Et puis tout bon petit non bagay. Si on moun ta gen intention fréquenter zone ça, pas passer la donne. Parce que grand pile volé, grand pile kidnappé dans zone ça. Messieurs, regardez comment nèg yo fait na ki yon pays. Regardez comment nèg yo fait na ki yon zone messieurs. Oh, comme si pile moun sa yo ki dans la rue là messieurs. Ça pas dit non rien. Vous êtes méchants et attendez-vous qu'un jour vous puissiez payer pour tout ça. Parce que messieurs, il pas normal. Fon dit que ça semblait que nèg G9 yo utilisé Bacolodéa. Yo déjà metté li au service parce que gen un mur dans zone Brooklyn nan la Bacolodéa commence écraser merci là. On quoi c'est bon l'école Digicel là. Donc nèg yo a avancé parce que yo gen matériel nan men yo et il a frappé très fort. Fon dit que on cherche information ça pour nous. Pendant bataille la miel comme ça côté la famille vos école là. OK? Bataille miel au niveau de Cité Soleil, mais yo rapporté nous il y a pile moun qui blessé dans plaine. Parmi moun ça yo gon oui. Mais tout ça c'est dans zone bon séjourné. Quoi chef dans zone ça, c'est les Tokay. Est-ce que Tokay perdit la ville? Mais yo dit nous tout chef t'es noir. Monsieur t'a tombé. T'as cherché confirmer toute information ça yo bon non. Parce que t'as semblé nèg 400 Marozo tout yo même mettez pied au terre très fort. Parce que Jean Bataille là est là. Nèg yo rien quoi yo. Yo mettez Gabriel nan haut et bataille qui te gen Matias dernièrement. Fon dit que alors pendant parler de Matias, gros avance qui fait. Nèg yo prend un petit bail en plus. Sous ISO, si nous avons bien regardé vidéo ça, nous comprenons. Il y a une information qui arrive jeune moi, dernièrement là, les nègres ont fait Potéboué à Matisan, et bien, ils ont pris un soldat ISO, ils ont mis monsieur non fou, ils ont cacané monsieur, reste à confirmer. Et puis, bataille continue dans Cité Soleil, parce que c'est comme ça, nous sommes un peuple cannibale, c'est comme ça nous fonctionner, c'est pigo satisfaction, non? Les non ouais n'a bataille n'a tué pour peuple non n'a metté tout le monde dehors c'est comme ça pour nous fonctionner en tout cas monsieur yon chance barbecue Iska Ti Junior Mika Nord Gabriel dans Brooklyn Matias Tyson ouais m'pas kon l'homme non longtemps na chaque jour m'a l'homme non nous parce que monsieur faut qu'au moins nous capable penser pour monde Cité Soleil il pas normal pour c'est comme ça pour mon à vivre dans cité a. Sous la franchise de l'église épiscopale d'Haïti selon le commissaire du gouvernement. Et nous allons parler avec le commissaire du gouvernement plus. Nous allons parler avec Monseigneur Ogé Beauvoir. OK. Et depuis avant hier, dans la soirée, l'information était déjà virale donc sur les réseaux sociaux, madame, monsieur. Et hier matin, nous tentions très prudents, mais dans le titre que nous avons gagné sous table là, sous question ça, nous dit que saisie d'armes dans Port-au-Prince, l'église épiscopal d'Haïti est donc indexé. Nous devons faire débat sur lui. Mais nous disons tout que nous avons tant de faire journée pour nous connaître, parce que ces informations que nous ne sommes pas capables de confirmer, donc ni infirmer. Mais nous sommes clairs dans notre titre et que l'église épiscopale d'Haïti est indexée pratiquement donc, sous question ça. Nous avons plus tard, à la fin donc, de l'émission, eh bien, donc, l'église épiscopale d'Haïti a une note pour dire qu'il n'a pas gagné pour louer dans la question ZAM qui est venue et que lui expliquer qui gens eux-mêmes qu'on utilise des franchises pour commander. Donc, et ça a commandé donc, sous Haïti. Et puis un petit peu plus tard, le commissaire du gouvernement, M. Maître Jacques Lafontaine, il vient confirmer qu'effectivement, les ZAM qui rentrent dans le camp de c'est des ZAM qui rentrent donc, pour, et, bien entendu, sous nom l'église épiscopale d'Haïti. En tout cas, matin, nous allons parler avec le commissaire Jacques Lafontaine, et puis ensuite, nous allons parler avec Monseigneur Ogé Beauvoir. Commissaire Lafontaine, bonjour. Bienvenue à l'émission Matin Débat, comment nous? Bonjour, Lucon, bonjour, l'autre panéliste, et bonjour tout auditeur qui attendait l'émission très écoutée, émission Matin Débat. Ok. Qui l'autre apprend que gagne des conteneurs suspects dans la douane et que tu as gagné des armes également, d'autres produits légaux et que c'est important pour aller sur les lieux? Comment tu apprends ça? En principe, Lucon, les SIDOR, et la loi fait obligation à toute personne, tout individu qui t'a tendu ou est actuel, et en infraction qu'à commettre, dans l'étendue de juridiction commission gouvernement, il peut dire pour l'informer. C'est dans ce sens que le directeur doit l'intégrer. Il a dit que voilà, au moment de l'opération de vérification et de contrôle, nous avons un conteneur qui était destiné à l'église épiscopale d'Haïti, ils ont retrouvé sur la dame. Maintenant, comme il se faisait tard, ils ont refermé le conteneur. Et puis hier matin, nous, accompagnés de l'unité BLTS, des CPJ, avec Jules Le Pen-Desson, et maintenant, nous avons procédé à vérification conteneur et suivi de l'opération de saisie. Et voilà maintenant, une opération qui était faite sur chaud soleil, et nous étions en même temps objet cible d'attaque, mais nous avons tiré en pile en bas, grâce à Dieu nous sortis 5 soirs. Ok, dit pendant l'opération, donc les bandits attaquaient nous? Ils n'ont pas attaqué nous, mais ils ont des tirs assez nourris dans les parages. Mais grâce à Dieu et grâce au professionnalisme de l'unité spécialisée de la vie sauve, nous sortis. Qui sont dans le conteneur, commissaire Jacques Lafontaine? Bonne question. Maintenant, dans un inventaire partiel, nous avons pu découvrir soit 19 armes automatiques, 12 et 6 armes de poing, et 120 cartouches de différents calibres, et plus presque 20 000 cartouches de différents calibres. Parmi ces armes automatiques, nous avons au moins 6 là-dedans qui répondent à la spécification armes qui portent cartouche 762. C'est-à-dire c'est AK-47 et cartouche les 762. Et moi, je ne suis pas expert en armes, c'est police qui a moins comme consultation. Donc, dis-moi, c'est cartouche ça là blindé pour la police et gagne un pack balle sous vidéo. Non, mais c'est cartouche qui va pas de bazar. Donc, c'est de gros cartouches qui ont fait gros dégâts sur machine. Donc, c'est des armes de guerre. Armes de guerre, normalement. Armes de guerre. Très bien. Maintenant, comment le conteneur arrive en Haïti? C'est qui est-ce qui, aujourd'hui, a rentré avec ZAM Sao dans le pays d'Haïti? Est-ce qu'effectivement, l'église épiscopale d'Haïti, donc l'indexée dans le dossier ça? Bon, maintenant, René Descartes disait, on ne peut pas discuter l'évidence. Très bien. L'évidence reste l'évidence. Très bien, c'est clair. C'est-à-dire, ce qui est évident pour nous autres, arriver à CPS1, dans le port, dans la douane, côté débarqué conteneur, nous avons un manifeste là, et à la lecture de toute autre pièce qui constitue le dossier ça, nous, il s'agit de l'église épiscopale qui était destinée à contenir ça à lui-même. Très bien. Donc,